Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes mercredi 3 avril 2024, c'est parti pour un tour à Prima de Créteil Soleil. On va aller voir la nouvelle collection. J'ai cru voir qu'il y avait du rose, du bleu et c'est la collection Rita Ora. On retrouve la veste rose. Elle est à 36€ avec les 4 boutons. La brassière avec l'élastique dans le dos, 16€. Au niveau des tailles, j'ai vu qu'il y avait du XS au L et dans les vestes, j'ai vu du S au XL. Après, on a le pantalon large, il est à 20€. Moi, j'avais bien aimé la collection Rita Ora de cet hiver-là, qui était tout en noir, argenté, pailleté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Par contre, j'ai vu à l'extérieur qu'il y avait aussi le Bermuda rose. Mais là, je ne le vois pas en rayon. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a plus ou ils ne l'ont pas encore mis. En tout cas, on a cette robe à 18€. Alors, vous voyez, je trouve que, par exemple, pour un petit mariage ou autre, avec la veste rose, là, ça serait c'est trop sympa. On a le sac à main à 12€. Maintenant, il est là, le Bermuda. Moi, j'aime bien le Bermuda. C'est original. Le Bermuda, il est à 18€. Ouais, avec ce haut-là, 14€. Vous voyez, la veste rose avec le Bermuda et le petit haut-là. Après, si vous aimez le format brassière qu'on a vu avant, pourquoi pas. Mais avec celui-là, c'est plutôt sympa. 14€. Et on a aussi... la jupe avec du doré, la boucle dorée, la jupe elle est à 18€. Après on a du bleu, on a encore quelques éléments roses qu'on verra après. On a cette robe là en mousseline comme ça, ouverte sur le côté. C'est un peu comme les robes portefeuille là. Elles sont à 28€ avec les bretelles. Pareil, il existe un haut comme ça, je vous le montrerai après. On a la jupe longue en jean à 22€, elle est ouverte comme ça dans le dos. On a la chemise blanche. Alors chemise blanche chez Primark, on en a toute une collection. Celle-ci, c'est celle de Rita Ora, 16€. Le tissu est assez épais, donc cintré, avec le col bien pointu là. On a la veste boléro comme ça en jean, 18€. Le gilet maille, 19€. Ça avec la chemise blanche et la jupe en jean, c'est plutôt pas mal. Le haut top là, 14€, matière plutôt satinée, très jolie dentelle, 14€. Pendant qu'on y est, les chaussures, on a les chaussures avec la fleur là, le talon comme ça, on l'a de cette couleur là ou de cette couleur là, 20€. On a ce haut tout en transparence, 10€ manche longue. Et on a la jupe, pareil, tout en transparence à 12€. Le gilet, on l'a en bleu aussi, très sympa. C'est le même que le beige. Hein. Les accessoires, oh, c'est pas mal ça. 7€. En fait, c'est comme une ceinture. Ouais, ceinture, on peut le mettre autour du cou aussi. On a le haut, 12€, bleu comme ça. On a la jupe. La jupe, elle est à 14€. Et on a la robe qu'on a vue tout à l'heure en mousseline, en rose. Pareil, je la trouve magnifique cette robe. 28€. Je la préfère en rose qu'en bleu. Après, c'est une histoire de goût, hein, bien sûr. Donc le dos, il est comme ça, croisé comme ça. Oh, il existe aussi en jaune, vert comme ça, 28€. Elle est très jolie, elle est fraîche. Des couleurs très sympas pour l'été, ça. Oh, le sac. Pareil, hein, original, 20€. Bon, c'est un autre style, hein, les ballerines. Les ballerines sont à 14€. On les a en bleu. Et on les a en rose. Alors on dirait vraiment les chaussures de danseuse classique. Je ne sais plus comment on appelle. Les pointes. Voilà. Hop, marrant ça.
Il existe aussi en argenté, 12 euros le sac. Pantalon jaune comme ça. Alors la matière, je regarde, on regarde de près. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il est très sympa ce pantalon. J'aime bien la coupe et le tissu lui permet de rester bien droit. 20 euros. On a la veste, pareil que le pantalon. Hop, on va la voir parce que c'est pas le même style que la première rose qu'on a vue. Celle-ci, elle a 3 boutons, donc en fait 6 boutons comme ça, avec des épaulettes très fines. La veste est à 34 euros. Alors pareil, hein, on peut la sortir avec la robe jaune qu'on a vue tout à l'heure, jaune et bleu. Ou sinon, il y a aussi ce style-là. Mais vous allez la voir sur le mannequin. Celle-ci, elle est plutôt satinée. La première, elle est plutôt mousseline, avec de la dentelle. Vous voyez, la robe, elle est comme ça. On a notre style de robe. Donc les manches tout en transparence, 20 euros. On a la jupe comme ça aussi, donc c'est un peu le même style que la robe. Elle est à 14 euros. On a le haut, si vous voulez faire un ensemble. Des fois c'est sympa, moi j'aime bien. Alors des fois je vous dis il faut casser, mais par exemple là ça peut être sympa. Alors celle-là en plus on peut la prendre avec la première veste rose là. 12 euros. On a la jupe comme ça aussi en bleu. Vous allez voir, il y a le haut que j'ai vu là-bas. Le haut, le bas, il est à 16 euros. Alors, un petit coucou à Sandra, du coup. Merci beaucoup, Sandra. Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo-là, mais merci beaucoup. Hein. Et je te dis à bientôt. Voilà, le haut, il est là. Et j'aime beaucoup aussi. Hein. Le haut, il est à 16 euros. Pareil, hein, vous pouvez l'associer à la jupe ou avec un jean aussi. C'est très sympa, ces couleurs-là. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré le sac bleu, là, il est à 14 euros. Ah, oh, j'aime beaucoup ce genre de pull, là, un peu comme les gilets filés, là. 17 euros, on a le beige et le noir. Tiens, chaussures jean, 18 euros. Les t-shirts, 8 euros. Oh, j'aime bien, ils sont fluides. On a la chemise, bleu comme ça, avec un col bien échancré, tiens, 18 euros, c'est pas mal ça aussi, avec un jean. Alors moi je parle toujours de jean, c'est vrai, mais les chemises comme ça amples, parce qu'elle a l'air ample quand même, j'aime bien avec les jeans. Le blouson Perfecto, il est à 40 euros, alors il est assez épais. Alors cet hiver, hein, Rita Ora, elle nous a sorti dans sa collection des jolis blousons comme ça. Il y a eu plusieurs modèles. Alors pour les tailles, moi vraiment ce que je vous conseille, c'est d'essayer, surtout quand c'est des blousons, de voir un petit peu. Alors il y a plusieurs cabines, je crois qu'il y a, je sais plus, une ou deux cabines, enfin pas une ou deux cabines, mais comment on appelle ça, pour essayer, cabine d'essayage, il y en a plusieurs. Il y en a ici, il y en a au troisième aussi. Je ne sais pas si on a une deuxième ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet hiver, justement, j'ai acheté un petit blouson là, un peu satiné de la gamme Rita Ora. J'ai acheté ma taille que je fais habituellement et en fait, je ne l'ai pas mis tout de suite. C'était pour mettre à une occasion particulière et en fait, bah, il était beaucoup trop large. Alors, en règle générale, moi, j'ai remarqué que... Alors, je parle de la gamme Rita Ora, mais la gamme Primark. En règle générale, moi, je sais que pour les hauts, je prends toujours plus petit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien Primark, parce que Primark, vous allez dans les petites tailles, ça vous va, vous êtes contente, vous dites « Ah, bah c'est bien !» Mais en fait, non, c'est parce que ça taille grand. Les bas, non. Les bas, je trouve que les tailles, bon, voire peut-être même une taille en dessous, mais ça taille plutôt bien. Donc vraiment, prenez votre temps pour essayer. Alors que c'est vrai que Primark, je crois qu'on a un mois ou un peu plus d'un mois pour échanger. Mais comme je dis, c'est toujours compliqué quand on arrive à la maison, puis après on est déçu, c'est pas la bonne taille. Bah tiens, on en profite pour partager. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez des tailles Primark. Oh, j'aime trop ce chouchou. 6 euros. Ouais, si, c'est un chouchou. Mais il est super épais. Allez, rose jusque dans les lunettes. Hein, 6 euros. Après, on a aussi ce modèle-là. 5 euros. Et celui-là, 6 euros. 10 euros. Pareil, elle avait sorti une super collection de bijoux. Là, on a celle-ci, c'est créole, là, comme ça, 5,50 euros. 4,50 euros. 4,50 euros. On a celle-ci, 4,50 euros. Et celle-ci, transparente. Après, on a le côté aussi doré. Je pense qu'on va avoir les mêmes... Ah bah non, les mêmes modèles ou presque. Oh, tiens.
la bague là, 5,50. Waouh, 5,50. Elles sont bien imposantes celles-ci. Voilà pour la gamme Rita Ora. Alors bien sûr, il doit y avoir d'autres pièces que j'ai pas vues ou que je vous ai pas montrées en vidéo. On va juste aller voir de l'autre côté ce qu'ils nous proposent dans la gamme un peu plage été. Alors je pense qu'on est dans le marron. Moi, celui-là marron foncé, donc avec le sac de plage à 14 €. J'ai même un doute. Non, je crois que c'est noir. On a le maillot de bain comme ça orangé à 14 €. La sortie de plage là à 17 €. On a les sandales là, 9 €. Elle est trop jolie celle-ci aussi. Alors c'est vrai que comme je vous dis à chaque fois, quand on achète des choses pour la plage, il faut penser soleil, lumière, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Je sais pas vous, mais moi je sais que quand je suis en bord de mer et tout, je vois plein de couleurs flashy auxquelles j'aurais pas du tout pensé à acheter. 20 € celle-ci. On a le pantalon marron, 12 €. Alors celui-là, moi je l'ai pris en blanc. Il y a le haut là, 8 €. Alors je vous ai fait une vidéo spéciale maillot de bain été, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Hein. Après on a le bas à 6 €. La chemise marron, 10 €. Après on a ce maillot de bain là. Il est à 8 € le haut et le bas, il est à 6 €. La petite sacoche là, 5 €. Alors ça c'est bien parce qu'en fait avec ces sacoches là on peut mettre sur la plage après pour protéger ses papiers, son téléphone, etc. Et on peut enlever ça et utiliser celle-ci pour mettre par exemple son maillot de bain mouillé. On a cette robe, elle est là, elle est à 18 € tout en maille. C'est le maillot de bain qu'on a vu tout à l'heure. Après on a le marron, vous voyez, avec la chemise. Et le maillot de bain, il est là, 8 € le haut. J'aime bien moi quand c'est large ici. Avant j'aimais bien les petites ficelles, mais moi je préfère maintenant ceux-là avec les bretelles. Et on a le maillot de bain, le bas de maillot de bain, 5 €. Ah bah vous voyez, j'avais pas fait le tour complètement. Je me disais bien qu'il y avait un autre endroit du magasin où il y avait la suite. Toujours on revient plutôt dans la collection Rita Ora avec cette robe à 20 €. On a assez. Alors, est-ce que c'est un short? Short. 18 €, mais on a le dessus, donc on pourrait croire que c'est une jupe. On a le débardeur là, à 7 €. La veste, 34 €. On a la robe de plage en maille. Dorée beige, elle est trop jolie. 23 €. Le sac, on l'a déjà vu, hein. On le revoit. 20 €. Le gilet long. Avec les deux poches, 25 €. Oh, on a les sacs en vert d'eau comme ça, ils sont trop beaux aussi, hein. La couleur est jolie, 20 €. Donc en fait, c'est des sacs qu'on peut porter avec la robe qu'on a vue avant, ou si vous préférez que le haut, il a 12 €. Pareil, on a alors du coup les vestes dans les verts, donc c'est la même qu'on a vue tout à l'heure en beige là. Donc, pareil, elle est très jolie, ouais, c'est des couleurs assez sympas pour l'été. Le haut, on l'a vu tout à l'heure en rose, il est un certain prix. Exactement à 14 €. Les jupes, 24 €. On a cette robe, 23 €. Le gilet long, il est aussi à un certain prix à 25 €. C'est très joli ça. Hein. Et on a la veste, ou plutôt la chemise rayée, 16 €. Après, on a la jupe, hein, cette fois-ci pas le short, 18 €. Tiens, le pantalon, je crois que c'était une jupe, non, pantalon, 22 €. Donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment fait le tour de toute la collection Rita Ora. J'espère que vous avez pu trouver des choses qui vous intéressent. Au niveau des couleurs, on a vu donc du rose, du bleu, du beige, du jaune, du vert, et puis un petit peu toutes les couleurs. Plein de gros bisous à vous, à plus tard.